tout le monde, alors aujourd'hui ben voilà, vous êtes avec nous. On est parti en randonnée, donc on a profité voilà qu'il fasse plus ou moins sec. Donc il fait un peu plus boueux, il fait un peu moins beau que la semaine dernière. La semaine dernière on était aussi parti, mais voilà, j'avais pas eu l'occasion de filmer. Donc je suis en randonnée avec Capu. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu ça, je vais vous partager un peu notre randonnée du jour. Voilà, et puis ben, on a hâte de savoir si ce genre de petites séquences vous plaisent. Avec vous ce magnifique paysage, et puis vous voyez là-bas tout au dessus, là-bas tout en haut, là, et ben on va aller là-bas tout en haut. donc on se retrouve là-bas tout en haut, et puis voilà. Mais donc je voulais partager avec vous, mais vous allez voir, on va traverser vraiment une super belle partie qui est juste là-bas. Attendez, juste là-bas, donc on va monter tout le long là, là pour arriver là au-dessus au point de vue. Mais vraiment là en bas, on va vraiment traverser le long, enfin on va vraiment se mettre le long de l'eau, et vous allez voir, c'est magnifique. Hello! Donc voilà, donc là on est arrivé au point de vue. Donc quand je vous ai fait la vidéo tantôt, on était là-bas tout au bout. Et donc là on est arrivé au-dessus. Donc c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on est arrivé au point de vue, j'en profite pour vous faire une petite vidéo tant qu'on est. On fait une petite pause en fait. Voilà, ça fait déjà 1h30 qu'on est parti. Donc voilà. Vous allez voir, je vous ai fait plein de photos et tout, c'est vraiment très beau en fait. Non, c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup, que je trouve très très jolie, et vraiment le type de terrain qu'on adore en fait, sur lequel il y a un peu de difficultés, mais où ça reste raisonnable hein. On a quelques escaliers, on a quelques endroits un peu glissants, mais c'est pas non plus la mer à boire. Et alors je voulais profiter aussi pour vous montrer un petit peu voilà, comment vous allez pouvoir le voir sur les photos et tout ça, mais comment est-ce qu'on est équipé hors sac à dos pour la choupette ici, hein. Donc en fait, la première chose, c'est que la choupette, en fait, voilà, je vais essayer de vous faire voilà, une jolie vue dessus. La choupette, elle a un... Alors, c'est pas de la pub, je vais peut-être pas citer le nom, mais voilà, elle a un joli... ceux qui connaissent reconnaîtront. Elle a un harnais, en fait, qui est un harnais de trail assez solide. Où, en fait, si vous voulez, devant... C'est un peu ce que je vous avais parlé dans la vidéo harnais ou collier. C'est que... Où vient ? Attends. Attendez, est-ce qu'elle veut venir au-dessus ? Ah ben oui. Oui, on sait bien, c'est pour toi.
Et donc, en fait, si vous voyez là devant, en fait, elle n'est pas du tout gênée avec ses pattes. Donc voilà. Donc là, c'est vrai qu'elle n'est pas gênée du tout. Donc ça, ouh, vous voyez, ça, les épaules sont bien, bien dégagées. Donc ça ne la gêne absolument pas. Et en fait, quand elle est en traction, elle n'aura pas de gros choc. On a évidemment la longe de traction. Donc la longe de traction, en fait, c'est une longe qui est élastique en nylon. Donc elle est très légère, même si elle paraît un peu grosse, elle est très légère. Et surtout, en fait, en cas de traction, elle est élastique. Donc en fait, le chien ne va pas avoir une traction nette. C'est vraiment du matériel de traction. Et alors moi, évidemment, attendez. Hop là, redescends chérie. Et alors moi, évidemment, j'ai mon boudrier, en fait, où elle est attachée. Donc on est attaché par des mousquetons. Mais donc moi, c'est un boudrier complet, si vous voulez. Voilà, donc moi, ça me permet d'avoir mes deux mains complètement libres. Ce qui peut être vraiment quelque chose d'hyper utile en randonnée. Donc voilà, ici on est sur une petite randonnée de 12 km. Donc voilà, on est sur une randonnée de même pas une demi-journée, enfin une petite demi-journée. Voilà, aujourd'hui on aura pris un peu plus de temps puisqu'on vous a fait plein de photos, plein de vidéos et des choses comme ça. Donc automatiquement on prend un peu plus de temps. Mais sinon, voilà, c'est vrai que on profite, on a quand même des paysages qui sont très jolis et pas loin de chez nous. Enfin voilà, là on est parti de la maison. Donc on n'a pas pris la voiture est restée à la maison. On a démarré de la maison et on fait en fait tout un tour qui est balisé, qui passe près de chez nous. Donc voilà, donc ça c'est là actuellement on fait une promenade qui est balisée par l'office du tourisme de Rochefort. Et donc voilà, mais donc on profite tranquillement, c'est vraiment très très chouette. Pour l'instant, dans toutes les promenades que moi j'ai pu faire balisées en Belgique, je suis pas tombée dans des zones où les chiens ne peuvent pas être là, donc ça c'est vraiment chouette. C'est qu'en Belgique, au niveau de la réglementation, à ce niveau-là, tant que les chiens sont tenus en laisse, ça c'est obligatoire. Mais tant que les chiens sont tenus, on n'a vraiment pas de restrictions, contrairement à la France où il y a plus de restrictions en fonction des zones naturelles et tout ça, même en Belgique, même si on passe dans des chemins évidemment balisés, mais ou des sentiers en tout cas de promenade, le long de zones ou dans des zones Natura 2000, on n'a pas le souci de ne pas pouvoir rentrer avec le chien, on peut y rentrer. Il y a juste bien des panneaux qui resignalent bien que le chien doit être tenu en laisse. Mais ça, en même temps, c'est sur tout le territoire. Et voilà. Et c'est vrai que le système qu'on a ici le permet complètement. Alors, dans le sac, j'ai encore plein d'autres petites choses pour elle. Mais ça, je vous présenterai peut-être une prochaine fois. Mais voilà, mais n'hésitez pas à me poser vos questions si jamais vous avez des questions sur comment est-ce qu'on fait pour randonner avec son chien, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Est-ce qu'il y a des choses à prendre absolument, même pour une petite randonnée, pas spécialement une 12, mais ne fût-ce qu'une 3, une 8, une 5. Est-ce qu'il y a des choses à prévoir? Oui, il y a des choses à prévoir. Et si ça vous intéresse, je veux bien vous faire une petite vidéo là-dessus. Là, on va continuer, on va encore faire quelques photos et tout ça. De toute façon, là, on est à peu près au tiers. Voilà, on est à peu près au tiers. C'est vrai que là, ici, on était vraiment sur une partie hyper jolie. Donc, pour faire les photos et tout ça, c'était le top. Donc, on a pris un peu plus de temps sur cette partie-ci. C'est vrai qu'après, ici, on va retourner plus vers. Enfin, on va retourner en fait dans les villages. Et puis, on va faire pas mal villages. Et puis, après, on va repasser sur une partie un peu plus boisée. Et puis, on va arriver en plus de nouveau en ville. Et puis ben voilà, donc c'est vrai que là on est sur la partie un peu plus boisée, un peu plus sympa. C'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps sur cette partie-ci. Et le voilà, on se retrouve un peu plus tard. Donc voilà, donc là en fait, pourquoi est-ce que je fais une vidéo? Parce qu'en fait, on vient de passer le long d'une petite zone protégée, Natagora. Et donc en fait, vous venez de voir la photo hein, sur la vidéo. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je trouvais ça quand même, pourquoi pas, important de vous le dire, c'est qu'en Belgique, on a le droit effectivement de se promener le long des zones, où quand il y a des sentiers de randonnée qui passent dedans, on peut y aller. Par contre, on ne peut pas rentrer sur les sous-bois, ou en tout cas dans les zones protégées. Il y a toujours les petits panneaux verts. Il n'y a pas toujours le grand panneau, mais il y a toujours le petit panneau carré vert. Qu'est-ce que tu as vu, chérie? Et je sais pas ce qu'elle a vu. Et donc voilà, mais je trouve ça toujours intéressant de le savoir, c'est que les chiens doivent être tenus en laisse, mais comme partout. Donc ça, c'est pas, il n'y a pas de grand changement. On peut pas y dormir, on peut pas y faire de feu, mais ça, il n'y a pas de grand changement non plus, puisque c'est partout. En Belgique, en tout cas. Donc voilà. Il y a des zones qui existent, hein, qui sont des zones de bivouac en Belgique, où là effectivement vous pouvez faire du feu. Voilà, mais pas, vous pouvez pas faire ça comme vous voulez, où vous voulez. Voilà, donc ça c'est un peu la petite chose. Mais donc par rapport aux zones naturelles comme ça protégées,
On peut y passer effectivement avec nos chiens en laisse. Je m'arrête parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc on peut y passer avec nos chiens en laisse, mais par contre on ne peut pas effectivement y marcher et s'y promener en fait. Donc on peut passer dans les sentiers à côté ou donc soit d'un côté, soit dedans s'ils sont balisés, mais on peut pas sortir de ces sentiers. Donc voilà, à bientôt.